Le général Webb répond par la négative à la demande de renfort du colonel Monroe. Le message tombe entre les mains de Magua. Avant de mourir, le héros dépêché depuis Fort Edward demande à Œil de Faucon de délivrer la triste nouvelle. Mais la parole de celui-ci est mise en doute, il est accusé de sédition et jeté en prison. Servez le canon! Feu! Deux degrés est! Feu! Tunnerre, que diable! Oh non, c'est impossible! Allez, vite! Mettez-moi ces canons en place! Plus à l'est! Plus à l'est, vous entendez? Parfait! À mon commandement, feu! Feu! Réarmez! Dépêchez-vous! Préparez-vous! Relevez-vous! C'est pas le moment de faiblir! Major Duncan! Ça va, je n'ai rien. Oh, malédiction. Duncan ? Vous n'êtes pas blessé ? Non, ne vous en faites pas, je suis indemne. Vous allez donc pendre ce malheureux ? Selon la loi martiale, la sédition est passible de la peine de mort. Ce n'est pas une poignée de colons qui changera la tournure qu'est en train de prendre cette guerre. Ah, j'ignorais que vous étiez experte en matière de stratégie militaire. Allez au diable, Major Duncan! Vous et votre esprit étriqué! Cora! Laissez, c'est sans importance. Je reconnais que ma sœur a toujours eu un tempérament extrêmement sanguin, mais dans le cas présent, je suis entièrement d'accord avec elle. Mais enfin, Alice... Au nom de l'amitié qui nous unit, je vous implore d'intercéder auprès de mon père afin qu'il épargne la vie d'Œil de Faucon. Mon colonel. Entrez, Major. À vos ordres, mon colonel. Faites-moi votre rapport, Major. Quelle est la situation? Mon calme a rappelé ses canons dès l'aube, comme à l'habitude, mon colonel. Peste soit de ce fourbe de Français! Il nous attaque de nuit afin que ses hommes puissent creuser leurs tranchées en toute quiétude. En effet, et à présent, ceux-ci ne se trouvent plus qu'à 200 mètres du fort. Grand Dieu! À une telle distance, ils n'auront aucune peine à utiliser leurs mortiers. Ils vont nous réduire en poussière! Combien de temps encore allons-nous attendre les renforts? S'ils ne sont pas là avant demain, c'en est fini de nous, j'en ai bien peur. Catastrophe! J'ai déjà assez de tourments! Cora semble avoir perdu toute notion de bon sens. Une chance que sa sœur garde la tête sur les épaules, elle. Alice est une demoiselle extraordinaire, monsieur, J'ai le sentiment qu'elle ne saurait trouver meilleure partie que vous, mon cher. J'espère un jour pouvoir vous considérer comme un fils. Ce serait un honneur et un plaisir. Très bien. Retournez à votre poste. Colonel ? Oui ? Qui est-il, Major ? Je me suis épris de votre fille à la minute où je l'ai rencontrée, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai le regret de vous annoncer que c'est sans espoir. Oh non! On ne peut pas le laisser se faire pendre! Je vous en prie, il faut persuader mon père de reconsidérer sa décision. Il suffit, Alice. Œil de Faucon savait pertinemment la peine qu'il encourait. Et malgré cela, il n'a pas déserté. Il est revenu pour défendre le fort. Vous vous méprenez quant à ses motivations, ma chère. Qu'est-ce que vous insinuez? Ne faites pas l'innocente. Cet Indien est amoureux de vous, et vous le savez. J'irais même jusqu'à dire que vous avez encouragé ses sentiments. Comment osez-vous parler de la sorte? Navré, mais quoi qu'il en soit, son salut n'est pas de mon ressort. Oh. Eh bien, Major Duncan, qu'avez-vous? Vous semblez maussade. C'est un crime par une si belle journée. Vous devriez plutôt vous réjouir. Après tout, un innocent va être pendu par votre faute. Alice! Qu'y a-t-il? Oh, Cora! Ils vont le tuer, c'est irrévocable! Père refuse de lui accorder sa grâce! Ce n'est qu'un vieillard aigri et sans cœur, je t'avais prévenu! Ma décision est prise, je quitte le fort dès demain! Oh non, je t'en prie, tu n'es pas sérieuse! Oh. Allons, essaie de comprendre! Il y a des moments dans la vie où il faut savoir faire des sacrifices! Ah.
du ciel. Cette fois, tout est fini. Hein ? Eh, si j'étais toi, je déguerpirais d'ici en quatrième vitesse, soldat. Sinon, tu risques d'y laisser ta peau. Tais-toi donc, je te colle une balle entre les deux yeux. Oh. Venez, nous avons besoin de tous les bras disponibles. Hein, mais je... Le toit de l'infirmerie vient de s'écrouler. Faites vite. Écoute bien, renégat, je te conseille de ne rien tenter d'inconsidéré. Je te le conseille également. Comment vas-tu, œil de faucon, mon fils? Très bien, merci. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui ne souhaitent pas ma mort. Tiens, je t'ai apporté Betsy. Je parais qu'elle t'a manqué. Sans vouloir vous brusquer, il serait peut-être temps pour nous d'aller au feu. Apparemment, chers amis, nous avons un peu trop tardé. C'est lui qui est venu à nous. Je vous en prie, libérez-moi. Je vous promets de me tenir tranquille. Faites-moi sortir de ce cachot. C'est un véritable carnage. Les Français possèdent des bouches à feu capables de tirer en courbe depuis la vallée. Couchez-vous, vite! Allons-y! Regardez! Pourquoi y a-t-il deux flammes près de chaque canon? Ce ne sont pas des canons, mais des bombardes, et il y a deux mèches à allumer. D'abord celle du projectile, et ensuite celle de l'engin lui-même. Un simple fusil ne vous servira à rien. Les hommes sont à l'abri dans leurs tranchées, et les bombardes sont en fonte. Vous ne parviendrez pas à les endommager. C'est proprement incroyable. Là-bas, vite. Hourra, je n'en crois pas mes yeux, c'est un vrai miracle. La voie est libre, tu devrais en profiter pour t'éclipser, mon fils. On ne peut pas partir maintenant, c'est trop dangereux. Qu'on le veuille ou non, nous devons nous serrer les coudes et livrer combat. À moins que je ne sois devenu dur de la feuille, je dirais que les Français ont cessé le feu. Ils envoient un détachement avec le drapeau blanc. C'est une garde d'honneur. Ils veulent négocier. Monsieur le colonel, de la part du général Montcalm. Dites au général Montcalm que je le rencontrerai demain aux premières lueurs de l'aube. Colonel Munro, après avoir eu le privilège de me mesurer au vaillant adversaire que vous êtes sur le champ de bataille, j'ai enfin le plaisir de connaître l'homme. Merci, Général Montcalm. Je vous retourne le compliment. Votre pugnacité au combat vous honore et rend justice à la dignité de votre royaume. Mais le temps est venu pour vous d'écouter la voix de la sagesse et de faire preuve d'humanisme. En d'autres termes, vous nous sommez de déposer les armes. J'ai observé votre fort très attentivement et je n'ai pas manqué de remarquer, tout comme vous, j'en suis persuadé, son état d'extrême précarité. J'ai peur que la lentille de votre longue vue ne doive être remplacée. Je vous signale en outre que les troupes du général Webb sont en route pour nous porter secours. À ce propos, j'ai une missive à vous remettre. Magua est parvenue à l'intercepter. Elle vous est adressée et émane de votre général. Je vous prie d'en prendre connaissance. C'est bien la signature du général Webb, monsieur. Il renonce à nous envoyer des renforts. Il nous conseille de capituler. Le général Webb nous a bel et bien trahis. Tout n'est pas perdu. Nous tenons toujours le fort. Pensez à notre dignité. Merci, Duncan. Sincèrement, merci. Sans vous, j'oublierais presque mon devoir de soldat de Sa Majesté. Adieu, Général Montcalm. Ainsi prennent fin nos pourparlers. Attendez. Je vous demande expressément de ne pas tirer de conclusions hâtives avant d'avoir écouté les conditions que j'appose à votre reddition. Je suis prêt à vous entendre, Général. Bien entendu, le fort devra être détruit.
mais je vous garantis que vous et vos hommes continuerez à jouir des privilèges qui vous ont été accordés. Qu'en sera-t-il de notre bannière ? Vous pourrez rentrer en Angleterre sans la mettre en berne. Continuez. Nous consentons également à vous laisser vos armes, colonel. Nul homme n'est plus digne que vous de les conserver. Durant la cérémonie de reddition qui se fera selon le protocole, vous recevrez les honneurs militaires qui vous sont dus. Accordez-moi un instant que je consulte les officiers du fort. Faites donc, colonel. Aujourd'hui, j'ai été par deux fois l'infortuné témoin de ce que je n'aurais jamais cru possible. Quoi donc, mon colonel ? La couardise d'un officier britannique qui contrevient au code de l'honneur en refusant son aide à ses compatriotes. Et la magnanimité d'un ennemi qui renonce aux prérogatives que lui offre sa supériorité. Alors c'est vrai, il a accepté de déposer les armes ? Je n'arrive toujours pas à y croire. Unka ? Unka, mon amour ! Cora, quitte le fort avec moi. Mais voyons, c'est de la folie. La folie serait de rester ici une minute de plus. J'espère en tout cas que tu vas prévenir Père de ton départ, c'est tout de même la moindre des choses. Oh, mais je vais de ce pas l'en aviser. Contrairement à toi, il ne m'impressionne guère. Je réalise que j'ai jugé cet œil de faucon bien injustement. Faites-le libérer sur le champ. C'est que la prison a été détruite. De toute façon, il méritait son sort. Ne vous laissez pas aller, colonel. Nous nous devons de garder la tête haute. C'est une question d'honneur. Honneur, loyauté, probité. Toute ma vie, j'ai tenu ces valeurs en haute estime. Imaginez la désillusion qui est la mienne aujourd'hui. Mais mon colonel... Non, Duncan. Réintégrez vos quartiers, j'ai besoin d'être seul. À vos ordres. Magua trouve la guerre des visages pâles bien étrange. Pas de sang versé, seulement un torrent de paroles futiles. Nous sommes parvenus à un accord, la hache de guerre est enterrée. C'est là tout ce qui comptait pour nous. Tomahawk de Magua a trouvé la paix qu'après avoir fait couler bain de sang. Pas avant. Chien galeux d'anglais méritait de mourir un à un. J'ai donné ma parole et je ne permettrai pas qu'un Huron ternisse l'honneur de la fleur de lys. Magua voir son village réduit en cendres par les tuniques rouges. Magua regarde des massacres sans pouvoir rien faire. Tous ses frères et sœurs brûlés vifs comme torches humaines. Magua jurait de venger sa famille. Lui arracher le cœur des Anglais et le manger. Mais si seigneur français vouloir la paix, Magua laisser faire. Paix de courte durée. Magua quitter campement cette nuit et partir avec ses frères Hurons. Sauvage. Est-ce que vous avez vu mes filles, Duncan ? Elles suivent le convoi avec les colons et les miliciens. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre auprès du général Montcalm pour recevoir les honneurs. Comment ça, tu ne viens plus ? Explique-toi, je t'en prie. Désolée, mais je ne peux décemment pas abandonner mon père. Je croyais pourtant que tu le haïssais. Je le croyais aussi, je t'assure. Mais je me trompais. C'est difficile à expliquer, mais tu dois comprendre. Il a besoin de moi. Puisque c'est comme ça, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Unka, non ! Eh bien, adieu et bonne chance à toi, soldat. Adieu, œil de faucon. Je suis fier d'avoir combattu à tes côtés. Faites bon voyage, mes amis ! Nous nous reverrons, professeur. Bonne route, mon cher ami Chingagook. Prenez bien garde à vous. C'est terrible. J'ai peur d'avoir commis la plus grosse erreur de toute ma vie. Comme tu l'as si bien dit, il est des moments où il faut savoir faire des sacrifices. Je vous salue, colonel Munro. Le fort Henri est à vous, général. Thank you.
L'homme blanc est décidément insondable. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore. Ça vient de l'arrière-garde. Je vais aller voir. Oh, oh ha, ha, discussion. Il s'agit d'agir désormais. Oh ah ah tu as une sacrée poigne, dis-moi. Ah où sont les filles? Nous devons les tirer hors des griffes de ces sauvages avant qu'il ne soit trop tard. Venez. Ôte tes sales pattes de ma sœur, espèce d'animal. Non. Non. Magua te laissait la vie sauve. Toi, dire à Chevelure Blanche qu'il aura descendance de sang Huron. Car dès demain, ta sœur devenir femme de Magua. Seigneur Dieu, Cora! Hoaima! Oh! 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 No! No! Dieu tout-puissant, quelle faute a commis ton humble serviteur pour mériter pareil fléau? Unka, tu dois t'efforcer de l'oublier. Jamais je ne le pourrai. Et toi, tu n'as pas l'esprit tourmenté? Si, mais au moins je sais quel est mon devoir.
Mon fils, œil de faucon, pense qu'il peut se rendre maître des choses. Je le croyais moins naïf que cela, car même le plus rusé des démons en est incapable. Tu as peut-être raison. En tout cas, moi, je ne me berce pas d'illusions. Seul le temps peut décider de quoi demain sera fait. Laisse ton destin entre ses mains. En attendant d'y voir plus clair, faites entrer la joie dans votre cœur. Nous rentrons chez nous.